Et voilà, rien que dans le bodyboard, je sais me faire mal parce qu'avant je savais pas me faire mal. Et je pense que c'est un passage important, le pôle, pour savoir se faire mal et savoir vivre en communauté. Hein. On a fait un stage en avril, ça s'est très bien passé. Et ça a même, vous parlerez avec les anciens, ça a même soudé le groupe dans son ensemble, le stage qu'on avait fait. Un peu fatigué, hein. Pourquoi tu fatigué là? Il est quelle heure là? Dis-nous le c'est la cause de Vincent, ça. Il est 1 heure, ouais. Il est 1 heure. Voilà. Là, c'est... On n'a pas pu dormir dans l'avion. Il y avait des films, et là pendant 45 minutes, une heure, il y avait Vincent qui arrêtait pas de parler dans le camion. Et... c'est de trouver un peu les options en vue d'après du prochain passage, de se dire tiens allez, c'est comme si j'étais en série, c'est là où je vais pouvoir scorer et mettre en place mon surf. Donc pour l'instant on en est là, il y a eu des bonnes choses et puis ça me permet de voir un petit coup où j'en suis, ça fait un petit moment que je ne les avais pas vus, donc ça va me permettre de voir un peu les verrous et de lancer des thèmes de travail. C'est une méduse. C'est les méduses sénégalaises, ça, tu vois. Ah, tu vois le vent? Le vent, mec, c'est n'importe quoi. On bien les abdos. Hein. Ouais, vas-y. On va travailler des thèmes qu'ils ont commencé à travailler pour les surfeurs la semaine dernière déjà. Ils étaient encadrés avec l'intervention de Chomin Sorais qui est venu faire l'honneur de venir encadrer un peu le pôle pendant une petite semaine. Donc on va retravailler ces thèmes-là pour les surfeurs.
Donc aujourd'hui, voilà, on a reçu le pôle ici au Sénégal, le pôle Super Nouvelle Aquitaine, parce qu'ils ont mis un programme qui est très très positif et dynamique, et je trouve que c'est innovant. Et ce programme-là, nous, on veut l'hériter pour l'installer au Sénégal. Ça veut dire que détecter les jeunes, les copter, les encadrer, les former, et sans oublier les études. Parce qu'aujourd'hui, c'est le sport études. On peut être bon en surf, mais on va leur donner des valeurs qu'on fait dans le pôle, que demain, ils peuvent être des managers, ils peuvent être des chefs d'entreprise et tout ça. Donc, l'essence d'art, on a trouvé ça très, très positif. Donc, il y a deux mois, j'ai reçu aussi Guillaume et Fred. On a parlé du projet. Et moi, je lui ai dit, OK, Joe, moi, ça m'intéresse de faire la même filiale au Sénégal. Après, voilà, nous, quand même, le Sénégal, on est un petit pays dans le surf. Mais moi, j'ai mis le complexe Surf à Paradise depuis 15 ans qui est en place, qui est un surf camp, un hôtel à Ngor, un resto, l'école de surf, le club. Et là, je vais installer carrément le pôle Espoir Sénégal Surf Academy. Et ce pôle Espoir Sénégal Academy a fait un jumelage en partenariat avec le pôle Espoir Nouvelle-Aquitaine. Nous, on les reçoit l'hiver, eux, ils nous reçoivent l'été. Et chaque échange, c'est vraiment découvrir l'expérience de partage. Ça va? Ouais, cool, tranquille. C'est pas le chrono. Là, c'est là. Bouge pas. Ah, moi, je... Waouh! Ah, il fait un point aussi.